Ayoub El Arak, pourquoi avoir décidé de signer à l'URSL Visé? J'avais besoin d'un nouveau défi dans ma carrière parce que je voyais bien que j'allais sûrement pas avoir plus de temps de jeu à Eupen. Et de plus, c'est dans la région, on m'a donné l'opportunité. J'ai eu un contact avec le coach et ça m'a plu, le projet m'a plu, donc j'ai pas hésité une seconde. Vous avez d'ailleurs signé pour plusieurs années. Oui, j'ai signé pour 3 ans, donc j'espère que l'aventure commencera bien et qu'elle se terminera bien aussi. C'est votre première aventure chez les adultes? Non, parce que j'ai eu l'occasion de jouer en Playoff 2 avec Eupen, donc j'avais déjà fait des feuilles de match, on va dire, en Playoff 2 en Division 1 belge. Et c'était une bonne expérience, j'avais eu l'occasion de croiser sur le terrain Claude Makelele, donc c'était quelque chose de plaisant dans ma carrière. Ici à Visé, vous avez rapidement trouvé vos marques? Oui, bien sûr, parce que je connaissais déjà pas mal de joueurs dans l'équipe, donc c'est beaucoup plus facile pour s'intégrer. De plus, je suis de la région, donc je connaissais déjà pas mal de monde. Vous courez énormément sur Internet Football, quelle est votre place de prédilection? La plupart du temps, quand j'étais plus jeune, je jouais plus en 8-10, mais on va dire ces dernières années, on m'a mis plus bas, on va dire, en milieu défensif. Et moi, je me plais bien en milieu défensif, mais on va dire que je peux jouer à tous les 3 postes au milieu. Quelles sont vos principales qualités? Je dirais vision du jeu, technique et mon volume de jeu. Et a contrario, quels sont les points à améliorer? J'ai entamé, on va dire, déjà un travail depuis l'année passée sur, parce qu'on me reprochait beaucoup sur mon travail physique. Je pense que j'ai bien travaillé ça et j'ai encore envie de travailler, on va dire, le côté physique, mais je pense que j'ai bien progressé sur cela. Et peut-être mon jeu de tête aussi à travailler. Le premier objectif, ce sera la Coupe de Belgique. C'est également le vôtre, je me doute. Bien sûr, ouais. J'ai eu connu, on va dire, avec les U21, une belle aventure avec la Coupe de Belgique. Et j'espère que je pourrai vivre la même chose avec les adultes ici à Visé. Et ensuite, le championnat, votre objectif sera? Bien sûr, moi je suis un compétiteur, donc je pense que sans hésiter d'être champion, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez signé à Visé? C'est pour ça que vous avez choisi un projet continuel? Exactement, parce que... depuis tout petit, j'ai toujours été compétiteur, j'ai toujours aimé la victoire et donc voilà, je suis en partie là pour ça, pour jouer le titre. Merci et bonne chance. Merci beaucoup, merci à vous.